Meghan Markle et le prince Harry, l'ultime rupture avec Kate Middleton et William. Nouveau rebondissement dans les relations fraternelles de la famille royale britannique. Malgré le début de l'été, les relations familiales des Windsor ne sont pas au beau fixe. Cette nouvelle prise de distance entre les deux couples a alimenté la spéculation des tabloïds. Après avoir créé leur compte Instagram personnel, le prince Harry et son épouse Meghan Markle vont créer leur propre fondation. Le couple a ainsi rompu avec celle dans laquelle ils œuvraient aux côtés du prince William, et de son épouse Kate Middleton, a annoncé jeudi 20 juin le palais de Kensington. Cette prise de distance a alimenté la spéculation des médias britanniques sur un éloignement des deux fils du prince Charles et de Lady Di, et surtout, sur la possible rivalité entre leurs épouses. En annonçant dans un communiqué ces changements dans leurs engagements caritatifs, Kensington Palace a expliqué que ceux-ci visent à ce que le travail et les responsabilités de leurs Altesses royales soient les plus complémentaires possibles alors qu'ils se préparent à leur future fonction. Concrètement, dans les prochains mois, la Royal Foundation va devenir la principale organisation caritative et philanthropique du duc et de la duchesse de Cambridge William et Kate, a indiqué le palais. Et ce que leurs activités caritatives correspondent mieux à leur nouveau foyer. Cette fondation s'intéresse en particulier au bien-être des militaires et des anciens combattants, aux enfants et adolescents, à la protection des espèces menacées et de l'environnement, et à la question de la santé mentale. De leur côté, le duc et la duchesse de Sussex Harry et Meghan établiront leur propre fondation caritative avec le soutien opérationnel, pour une période de transition, de la Royal Foundation. Harry et son frère, et leurs épouses, continueront à travailler ensemble à l'avenir, sur des sujets comme la santé mentale, précise le communiqué. Les deux couples s'étaient déjà éloignés géographiquement puisqu'il y a quelques mois, Harry et Meghan ont quitté le palais de Kensington, à Londres. Où ils vivaient avec William et Kate, pour s'installer dans un cottage sur les terres du château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, pour élever leur premier enfant, Archie, né le 6 mai 2019.